Donc on est à... Ça filme, hein? C'est pas la peine de penser que ça filme. Tu filmes. Bah pourquoi pas? C'est grave. C'est grave si je filme. Non, tu filmes. Là, ça filme. Après, je peux faire des photos avec. C'est pas un problème. Là, ben, j'ai rencontré mon frère, donc ce soir, je suis chez vous. Soyez bienvenue. Tu peux dire comment tu t'appelles à la caméra? Je m'appelle Kabira. Voilà, donc j'avais Kabira, la sœur de Mohamed, que j'ai pris en stop tout à l'heure. Et voilà, et donc je suis chez eux, on vient de boire le thé. Elle est très rigolote. Elle est très drôle. Ah voilà, il y a le thé, tu vois. Non. C'est ça. Bon, ben, franchement, c'est super parce que du coup, je suis pas à l'hôtel, je suis pas toute seule. C'est sympa. Il y a plein de filles. Tu es comme ma soeur. Et c'est super. Elles sont très gentilles. Elle va se marier. Elle va se marier en octobre. Donc, c'est un grand événement là. Là, ça va être le mariage de princesse. Oui, bien sûr. Si tu me... Non, je me garde. Ah. C'est pas mon habitude pour habiller une robe. Oui, mais tu vas bien avoir une robe de mariée. C'est une robe comme ça. Oui, ça mais... là. Comme ça. Ah, on ne voit pas? Non. Oh non. Bien sûr. Et t'aimes bien? C'est ma habitude, bien sûr. Ah, d'accord. Bon, si t'aimes bien, alors c'est cool. Oui, bien sûr. Et c'est une robe de quelle couleur? De le noir et le blanc. C'est comme ça. Le noir et le blanc. Elle fait une chemise comme ça. Mm-hmm. Elle fait le noir et le noir et le blanc comme ça. D'accord. Et le noir comme ça et le blanc et là comme ça. Tu connais maintenant? J'ai jamais vu. Ben, j'ai des photos de ma soeur. Comme si tu es habituée. Sur le visage. Quoi? Je croyais que tu allais le mettre ici. Non, non, ici, avec son mari. Là, 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 je dois rester. Et avec les autres gens, bien les autres femmes. Il fait la bière sur le visage. N'y a pas que là, je me dois ça. Lahelha. Allahu alayhi. Tu dois aussi lahelha. Lahelha. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi? Tiens, vous cassez le matin quand je viens. Mon cher, viens. Bien, bonjour. Ça, il s'appelle Meloui. Meloui? Meloui. C'est du pain frit? C'est ça? Le pain, oui, le frit. Frit? Oui. Le lait, tout comme ça. Il est très... Châtiment. Bien, non. Hein? Il est bon, bien, non. Oui, c'est bon. Je mange. Mais il ne faut pas que je mange trop, parce que moi je ne suis pas à la mode de chez moi. On a... Yet, we are to enter Tantan. To give the degree from Maria. This is married from somebody. Ah, this is your right. Okay, yes, okay. Your right. Yeah, okay. Cool. Merci. Merci. Soyez bienvenue. C'est gentil, merci. Merci, aïe. Eh ouais, merci, c'est ça. Eh ouais, c'est bon. Alors, non, elle est pas folle, elle est gentille. Elle doit la manger. Moi je vais rester ici comme ça je peux devenir agro, c'est bien. Oui. Bien sûr. Donc il y a tout en même temps, les gâteaux. Quatre poulets.
C'est le mariage de qui? Père Pa. C'est qui? Une amie. Une amie? Une famille. Lui, il sait tout de suite comment ça marche, alors que même moi, je sais pas du tout comment ça marche. Lui, il sait comment on joue. Moi, je sais pas comment on joue. Tu vois? Non, parce que ça, c'est mon fils. Mon fils, il joue. Moi, je joue pas. C'est lui. Bon, ben voilà, j'aurais bien mangé quand même. J'ai dit j'aurais bien mangé. Alors vas-y. Personne ne sait vraiment et en fait il est temps pour le deuxième repas de la soirée. Donc allons-y. On va attaquer, c'est un agile, pas mal. Faudrait pas que je reste ici tout longtemps parce que je passerai assez rapidement 120 kilos quoi. Hein, j'ai dit il faut que je parte vite. Parce que sinon je vais devenir très très grosse. Ton ami Ouais.
7, je crois, un truc comme ça. Et je me réveille donc à Tintin, dans le désert marocain, au milieu des Touaregs, en vrai. Sahlaoui, c'est les Touaregs. Et franchement, c'est un truc de fou, quoi. Je suis trop contente, en fait, d'être tombée sur Mohamed, qui m'a gentiment hébergée. Toute sa famille est énormément gentille. Enfin, il n'y a que des filles, en fait. Il y a lui, mais il n'y a que des filles. Et tout le monde est énormément gentil, vraiment, donc un accueil super. Une ville un peu bizarre, quand même assez violente, puisque quand on est arrivé, il y avait des gens qui se battaient avec des coupes, mais genre pas un peu quoi. C'est genre ils se battaient avec des coupes, ils se donnaient des vrais coups quoi. Vraiment, un coup après l'autre, bon, je lui demande si c'est comme ça, il me dit c'est Tintin, c'est normal, c'est pas grave, c'est pas toujours. Bon. Aujourd'hui, franchement, il fait froid. Il pleuvine, il fait gris. Du coup, Mohamed s'est improvisé un voyage. J'avais proposé en rigolant, j'avais dit je te prends jusqu'à Dakar si tu veux. Et il m'a dit non, mais par contre, sa sœur habite Dakhla, donc un peu avant la frontière mauritanienne. Et donc, il vient avec moi jusqu'à Dakhla. Ça me fait un détour d'à peu près 100 km. Donc, je le fais bien volontiers. Voilà, donc certainement je vais aussi dormir là-bas. Et 10h du matin, on a déjà un peu de retard, là j'attends Mohamed qui finit de se préparer. Et puis on trace quoi, parce qu'on a quand même au moins entre 700 et 1000 bornes, personne ne peut le dire. Et on ne peut pas se fier aux panneaux, parce qu'en vrai, les panneaux, le problème c'est que il y a un panneau donc, qui dit 40 km, 3 km après il y a un autre panneau qui dit 30 km. 3 km après, il y a un autre panneau qui dit 49 km. Donc, personne n'en a aucune idée. C'est comme l'heure. Personne n'avait l'heure hier soir.
personne ne sait quelle heure il est et personne ne sait combien de kilomètres. C'est fou, mais c'est comme ça. Et donc, on verra bien. Je pense que ça va être une journée à peu près comme hier, grosso merdo. Ça va être une journée où on va conduire certainement jusqu'à 10h du soir. Voilà. Sans trop discontinuer, sans trop s'arrêter. Donc voilà, j'ai dormi 5 heures, mais j'ai bien dormi, donc normalement ça devrait bien se passer. Enfin, en tout cas, j'espère. D'alternateur, bon, ben voilà.